Et bonjour à tous les amis, ici Réflexion, votre unique compagnie sur ce nouvel épisode de Réflexion l'écolier. On se retrouve encore avec Jimmy, avec Jimmy la grosse brute. Et on est donc parti pour très certainement aller en cours, ou peut-être faire l'émission, je sais plus. Ah bah ce sera d'abord l'émission les amis. De toute façon il est quelle heure là? Il est 18h, donc normalement il y aura plus de cours, donc on va aller faire la mission gentiment, comme d'habitude, il y a quelques petits lags. Ne vous inquiétez pas, après la première cinématique, cela sera réglé. Bon, du coup, on va rejoindre le H. Je crois que c'est parce que j'ai dû trouver un transistor, je pense. Je sais plus, on va voir. De toute façon, ça va être réglé assez rapidement. On va s'y rendre, on va voir ce que ça donne. Et si ça donne rien, eh ben tant pis. Non, je crois qu'on a effectivement trouvé un transistor. C'est bizarre, on les ramasse pas, les transistors. Bref, un coup de main, 4. That'll do. You ready to train? I suppose you want to train again. Ouais, je veux m'entraîner. D'accord, ça nous donne un cinquième coup au combo, ça c'est génial. C'est pas mal. Ouais, un cinquième coup, c'est intéressant, et apparemment, ça brise la garde, donc... Ça a l'air cheaté complètement, en fait. J'ai l'impression que les transistors, en fait, on les gagne à chaque chapitre, et qu'on doit pas les trouver, en fait. C'est bizarre, mais enfin, bon, on verra plus tard. On a des trucs plus intéressants à faire. Genre, par là, on a une mission, je crois que c'est... D'accord, on va aller faire cette mission, ça va aller vite. Je me demande si c'est pas la forteresse que j'ai déjà foirée en fait. C'est pas grave, on y va, on va la retenter. Et ce coup-ci, on va les ridiculiser tout simplement. Bonjour monsieur, bonjour bonjour. Hop, allez, on y va. Et évidemment, comme d'habitude, je vous laisse avec cette magnifique cinématique. I may be a loser, but... At least I've got loser friends to hang out with. Whatever. We wouldn't let you into our gang, Pete, because you're weird. Weird? Look at you. You've got a weak bladder. Hey, Algy, I need some help. I've got a plan to take over those jock scum. Hey, Jimmy. Hey, so what do you say, Algy? Us help you? Yeah, think of everything I've done for you since I got here. You? You're like a bouncer. We're a bit above helping people like you. I mean, get real, duh. Pee stain. Now you need my help. Get it. Damn! Well, you know what you gotta do now, don't you? What, beg? No, get to Ernest. He runs that clique with a rod of iron. You get him on your side, and you got the rest of them meeting out of the palm of your hand. How? By joining the trigonometry club? No, that would never work. You gotta show him who's boss. You might be onto something. See you later. Hey, wait, Jimmy! Can I come for once? Alors je sais, vous l'aviez déjà vu, mais bon, ça fait un plaisir de se remémorer la cinématique, tout simplement, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Sait-on jamais, hein. Bon, tu vas me dire où ils sont, merde. Le mec, il est KO. D'accord, on s'y rend, on retourne donc à l'observatoire et on va lui casser la tronche. Écoute, le keycode, tu vas me le donner. Merci. Bon, on rentre maintenant par ici. Je crois qu'il va falloir qu'on prépare quelques petites armes. D'accord, allez, on élimine tous les mecs, là. Hop. De toute façon, ils ont pas beaucoup de vie, faut avouer. Il est sérieux, lui, avec sa façon de frapper. Allez, par terre, toi. On a des choses plus intéressantes à faire que de se battre, non, Méo. Et toi, tu crois qu'avec ton lance-pétard, tu peux battre le brut de l'école? Dodo, mon ami. Tu ne mérites même pas que je t'écrase, en fait. Bon, ici aussi, il y a des bonhommes, donc on va leur apprendre gentiment.
Je suis pas sûr, mon ami, que ce ne soit que le début. Tu vas vite comprendre que c'est pas une bonne idée de s'en prendre à Jimmy. Bon, théoriquement, en les mettant tous KO, ça va le faire. Lui ici, ça va aller assez vite. De toute façon, le cinquième coup, il est complètement cheaté. Et lui, là, avec ses boules puantes... Bah, il vient de se faire mal tout seul, ce con. C'est pas grave, il s'en pue tout seul. Félicitations, mon ami. Tu pourrais arrêter de lancer des boules puantes sur toi-même. Ça serait génial. Allez, par terre. Avant que je m'énerve. Qu'est-ce qu'il y a de chose comme plus intéressant? D'accord, avec une règle, bah tiens. Allez, toi, dodo. Comment on faisait pour ramasser les objets encore? Je ne me souviens plus. Ah, voilà. Tu es puni par la puissance incroyable de la règle. Alors, lui, il n'y a qu'un seul moyen de l'éliminer, apparemment. Poum! Apparemment, il est KO. D'accord. Effectivement, ça l'a mis KO d'un seul coup. C'est assez pratique comme coup, faut quand même l'avouer. Mais bon, on va y aller à main nue. C'est beaucoup plus badass. Allez, viens te battre, sale petit mioche. Complètement KO, le pauvre. Personne ne peut arrêter Jimmy Hopkins. Mon dieu, j'ai réussi à retenir son nom, c'est incroyable. Allez, toi, par terre. Tu ne vaux pas mieux que tes camarades. Ah, c'est maintenant que ça va devenir intéressant. D'accord. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Viens te battre, toi. Allez, reste par terre. Tu ne mérites pas de rester debout. Voilà, c'est très sympathique. À ton tour d'être mis par terre. Bon, comment ça se passe avec cette merde? Je ne sais pas trop. D'accord, 2 KO, c'est parfait. Lui, on va attendre qu'il finisse de tirer. Ah non, il n'y en a que 1 KO. Tiens. Comment est-ce qu'on peut faire? Et comment est-ce qu'on rentrait encore en mode visé? Quoi? Mais merde! Oh, cette arme est trop cheatée. Bon, c'est encore un échec, c'est pas grave, c'est le magnifique fail. Comme d'habitude. Mais je vous promets que j'y arriverai. Je vous promets que j'y arriverai, merde. C'est la nuit, je crois qu'ils vont pas être trop d'accord que je rentre dans l'école, mais je m'en fiche, je rentre dedans. Et puis c'est comme ça. On va tenter une autre mission, apparemment, l'autre mission j'y arriverai pas. Mais j'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire en fait. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas s'il faut attaquer le mec sur l'arme ou s'il y a d'autres choses à faire. Intrusion, mais non, c'est pas une intrusion, voyons. Bon, si, c'est peut-être une intrusion, mais... Mais voyons. C'est l'école quand même, j'ai le droit de m'intrusion. Livraison en toute discrétion et je vous laisse avec cette magnifique cinématique. Get away, foul vision of hell! Sir, you sent for me? Death stalks me, but I've seen the light. I know you're not there, devil! Dr. Watts, sir, it's Hopkins. It's me, not the devil. He couldn't make it. Go! Are you okay? Oh. What did you do? I was mixing chemicals for my research when there was an explosion! The vapors have got to me again! Oh, cool. I see all of the triplets came. Triplets? Whatever. Such is the life of a scientist, Hopkins. The suffering can be terrible! Now listen, word is you're quite the problem solver.
I've got a business proposition. I'm listening. In my spare time, I produce certain chemical compounds with certain properties. I need some of them delivered to my customers around town. Quick, though. They need them urgently. All right. Go pick up the stuff from my lab technician. He's in town, in Trailer Alley. I'm on it. Eh bien, c'est parti, les amis, allons-y. Allons offrir la formule de Monsieur Watt à tous ces petits drogués. Apparemment, le temps est vraiment très court pour cette mission, à ce que je vois. Ça va être chaud, mais on va y arriver. Déjà qu'on n'arrive pas à rejoindre la forteresse, on va essayer au moins de réussir celle-là, ça serait pas mal. C'est qu'une vulgaire livraison, après tout. Et au passage, si certains savent pourquoi je n'arrive pas à faire cette mission, ça m'intéresserait énormément. En attendant, le temps passe très très vite. Waouh ! Oh, c'est horrible ! Comment voulez-vous qu'on fasse cette mission, sérieux ? Ça serait bien de trouver un vélo. Ça me permettrait d'aller plus vite, en fait. Oulala, les FPS qui descendent, machin bidule. Non, c'est bon, là, tu vas te calmer tout de suite, mon ami. Et ça nous donnera accès à une quatrième ville, à ce que je vois aussi. C'est vraiment pas mal. Mon dieu, les arrêts sur image, c'est juste immonde. Un truc que je vous garantis, je vous proposerai plus de jeux qui grament comme ça. Franchement, c'est promis, les amis. Évidemment, ce jeu est vieux, donc je comprends pas pourquoi il tourne pas avec ma carte graphique, mais... Il y a des trucs que je comprendrai jamais, hein. Écoutez, je vais pas chercher à comprendre, ça me les... Voilà. Tiens, il est tagué Jimmy ici. Alors, c'est par où ? Suffit de continuer tout droit, et théoriquement, on devrait trouver... Ou alors, je peux voler le scooter aussi. C'est pas mal dans l'idée. Mais bon, apparemment, je vais y arriver en skateboard, donc il n'y a pas de souci. J'espère que le temps se reset au moment où je dois livrer ou que les mecs soient proches. Parce que sinon, ça va être très chaud, tout simplement. Bon, nous y arrivons. C'est tranquille, c'est pratique. Et comme par hasard, c'est un intello. Tiens, on se demandait qui ça allait être. Mr. Watts sent me. Something about some deliveries. D'accord, c'est parti. Au moins, ça reset le temps. Ça, c'est parfait, au moins. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on pleura pas trop. Par contre... GTA Style! Désolé mon ami, mais ce demande de vélo est très importante. J'en ai vraiment, vraiment, vraiment besoin. What? Attendez, il faut s'arrêter, sérieux? Ouh, ça va être chaud, ça. Tenez, monsieur! Et donc, en voilà de 1. Il n'en reste plus que 4, et apparemment on est assez vite dans les temps. Il y en a un tout proche, ok, donc on va les faire dans l'ordre, hein. On va pas trop se précipiter, ça serait vachement dommage de rater la quête à cause de ça. Donc le mec est juste là, il suffit de tourner, d'accord. Bon, c'est pas trop dur en même temps, donc ça va. Allez, allons livrer ce mec. Hop, tiens mon petit, voici ton petit paquet. Des petits produits chimiques qui vont te permettre de te shooter la tronche. J'espère que ça te fait plaisir. Parce que moi, ça me fait plaisir de te les livrer. Alors, il en reste plus que 3 à livrer, sachant qu'il y en a un à l'école, d'accord. C'est-à-dire que je vais devoir passer les gardes, et ça va être vraiment chiant. D'ailleurs, les flics m'emmerdent pas encore, à ce que je vois. Voilà, ici, en fait, c'est tous les marchands de la ville qui sont shootés aux produits chimiques, à ce que je vois. C'est tous les marchands, dis donc. Tous des drogués, ces marchands. Ou alors, ils les revendent. Tous des dealers, ces marchands. Le mec qui est pas d'accord avec lui-même, savez. Allez, ramenons cela tranquillement. Apparemment, le dernier mec est par ici. C'est bien, le vélo est effectivement une bonne idée, ça me permet d'aller vraiment super vite. Mais mec, t'es en pyjama dans la rue ou je rêve? Mais oui, il est en pyjama le mec.
Bon. Maintenant, il faut retourner à l'école, à ce que j'ai vu. Donc, on va rapidement y retourner. Pourquoi ça m'ouvre la carte en grand, là? D'accord, il suffit de descendre par ici et puis tourner et nous serons directement à l'école. Et ça, c'est très intéressant, puisque c'est là où se trouve mon dernier client, tout simplement. Et on va pénétrer l'école en vélo, comme ça, ça nous permet de traverser l'école facilement, parce qu'il est tout au bout. C'est-à-dire qu'on va devoir passer tous les mecs. Oula, ça va être chaud, ça. Ça va être très très chaud. Surtout que c'est le couvre-feu. Ah bah, violence, autorité, excusez-moi si le mec se jette sous ma roue, hein. Tiens, on va se jeter sur la roue de Jimmy, comme ça on pourra dire qu'il fait de la violence avec l'autorité. Non mais sérieusement, quoi. Il y a des limites, quoi. C'est bon, ça nous permet d'escalader suffisamment rapidement. Et voilà le dernier. C'est une réussite. Ouh là, par contre, ça va être chaud. Il faut arriver à rejoindre notre ami le professeur maintenant. Et ça, c'est pas gagné du tout. Ouh là, ça va être chaud de passer dans l'école. Non, non, je n'irai pas au préfet, mon ami. Non, non, non. Il faut que je me rende à l'école pour aller voir Monsieur Watt. Et littéralement, je vous en... Censuré par réflexion. Merci et je vous laisse avec cette cinématique. Ah, James, splendid! I said I'd do it. Cette cinématique n'était pas magnifique, mais bon, on a reçu $50, donc c'est tout ce qui compte. I should teach lessons or something. Intrusion, mais comment ça intrusion, je m'intruse dans rien du tout, moi je vais me coucher. Et je vois qu'il reste 2 minutes, donc c'est tout simplement ce qu'on va aller faire, on va se rendre gentiment dans les dortoirs, et puis on se dira au revoir là-bas. Comme d'habitude, ce genre d'épisode ne dure que 18 minutes, mais vous savez comment ça se passe dans les GTA, hein, les missions sont un peu longues. Donc bon. Mais c'est bon, je vais au dortoir, mec. Tu veux que je te tabasse aussi, merde. Oh, toi, tu m'expliques ce que tu fais, là? Non, mais oh, tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Oh, what a buzz. Jimmy, hey, I gotta go write an article for the... What are you doing down there? Voilà. Ça t'apprendra à attaquer notre dortoir. Foutu blouse de merde. Bref. Donc, comme je disais, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit like, à partager sur vos réseaux sociaux préférés. Et pourquoi pas laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. C'était Réflexion. Ciao. Bye bye. Feed me more.